Alors, lui, c'est qui? Hop, cendre de nomade. Invoque l'esprit d'un nomade. Il est atteint de folie, lui. Des restes de cendres dans lesquels demeure encore une âme. Utilisez cet objet pour invoquer l'esprit d'un nomade. Un membre de la tribu qui fut enterré afin de contenir la folie contaminatrice qui l'affectait. Ses yeux émettent une terrible flamme exaltée. Bien que sa faible constitution ne lui accorde que peu de PV, il n'encaissera donc que peu de coups avant de s'écrouler. D'accord. Ou ils sont en train de nous dire qu'il est nul. Alors ici. Je suis tenté d'aller de retourner là, puisqu'on est un site de grâce. Je suis tenté de retourner, essayer de voir si je peux pas améliorer. Parce que j'ai quand même chopé pas mal de 7 et de 8. Ce qui m'intéresse. De toute façon, je pense que là-bas, on arrive sur l'ennemi. On va aller... Ouais, on va aller faire un tour. Penser que on a récupéré aussi pas mal de comment ça s'appelle pas mal de plantes fantomatiques. Sont bas. Pas beaucoup de choses là, c'est bizarre. Alors on est 2 sur 2. Le problème c'est qu'il faut que je vende. 1 sur 1. Bon, on va d'abord avantager notre arme principale.
nuage de V. À voir. D'accord. Allez. You've no matter it's out your own. Ah non, j'aurai jamais assez. Bon, tant pis. Tant pis, tant pis, tant pis. Déjà, on a monté d'un niveau, c'est déjà pas mal. Greetings, are you here for... Alors, j'en ai 4, il en faut qu'un. Je pourrais monter Aurélia. D'aller farmer un petit peu je suis tenté d'aller farmer un petit peu quand même. Bon, tant pis, on verra bien. Hop. Si jamais je me plante vraiment contre le c'est bon.
regarder au-dessus. Très chaud. Ça va être très très chaud. Bon, si j'y arrive pas, j'irai voir ailleurs et je reviendrai plus tard. En fait, faut réussir à bien se placer, garder la distance. C'est du placement. En fait, faut garder la juste distance.
plus savoir comment attaquer. Qui plus est, pour lui, il vaut mieux avoir plusieurs attaquants en renfort. Même s'il fait une attaque de zone là. Non, t'es sérieux? À deux zones près, ils te mettent un feu de camp? Ouais, ils se foutent de la gueule moi. À la table ronde, je vais essayer de voir si je peux améliorer des choses. Donc là on est ici, juste en dessous de la tête de mort. Lui je crois qu'on l'a fait hein. Lui c'est le... Ouais lui on l'a fait. Lui c'est parce qu'il faut qu'on passe par quelque chose, je sais pas où. Allez, c'est parti. It's all the same. Lay out your arms, then. Quoi, 100 et quelques? Sur 4, on est au niveau 8. Ça. On peut pas aller au-delà de ça. D'accord, pour les armes colossales uniques là, on peut pas aller au-delà de 10. C'est nul. Greetings. Are you here for... Je vous
conseille d'avoir des cendres différentes spécialisations. Ici, vous avez plusieurs assaillants, ce qui permet de mettre la zizanie. Bon, le problème, c'est qu'ils sont au sol, donc s'il y a des attaques de zone, ils risquent de se faire éclater très très rapidement. Mais ce qui est bien, c'est qu'ils attaquent tous les trois en même temps, donc en gros, ça vous fait trois attaques à la suite si jamais ils arrivent à les placer. Là, ici, l'intérêt, c'est que elle touche pas le sol. Elle vole, et en plus, elle empoisonne. Donc, de loin, ça peut être un sniper. Eux, c'est plutôt corps à corps. Elle, c'est plutôt sniper. Donc, elle peut empoisonner, et en plus, comme elle touche pas le sol, s'il y a des dégâts de zone, elle est pas trop concernée. Celle-là, c'est plus pour le fun. Automatiquement, c'est pour l'aventure. Mais sinon, je l'aurais pas pris. Lui, l'intérêt... c'est qu'il se téléporte et en plus il fait aussi bien du corps à corps que de la distance avec ses lances. Donc c'est plutôt intéressant. Et d'ailleurs c'est celui-là dont je me sers le plus en fait. Donc voilà. Okay. Je pense qu'on est bon. Rien de plus. Rien de plus. How did you get your hands on that dagger? Well, that hardly matters. I know very well whose dagger it is. Why don't I return it to them for you? Good work bringing this to me. D'accord, t'as rien de plus. Bon, le dague mortifère, c'était pour lui. Je vais aller voir si ça change quelque chose. I am pleased to see. Would you like me to hold you? Now. Come. You are so very warm. Then good day to you, my dear. Y'a plus rien? D'accord.